bienvenue dans le vlog numéro 3 à côté de la piscine. Voilà, on n'y va pas parce qu'on a faim, il faut qu'on mange. Puis on voulait juste voir comment faire pour y aller parce qu'hier on n'a pas trouvé. Donc en fait, c'est au 7e étage. Bah, il fait chaud, comme hier soir en fait. Même température. Dans le quartier universitaire, je pense. Là, c'est un lycée. Et tout à l'heure, on est passé devant un truc qui ressemblait à un palais. J'avais vu ça déjà l'an dernier. En fait, c'est aussi une université. Là-bas, université et hôpitaux, il y a du flou. Des œufs avec du riz. Ça coûte. Copie. La sauce qu'on va aller avec. Presque fini. Aïe. Donc là on est au MBK et il y a un truc qui s'appelle Yo Yata, un truc comme ça, market, où tu peux arriver sur place comme ça. Et voilà, on est rentré dans le MBK. Je crois qu'il fait 7 étages. Ça doit être ça. Et là on est du mauvais côté, on est du côté où c'est pas très touristique comme centre commercial. On est en train de chercher une carte SIM. On va y voir, mais on ne trouve pas parce qu'il n'y a que des magasins en partout des écrans. Et on ne trouve pas. C'est pénible. On est au 4e étage de FDK et on a trouvé le Choumouche pour faire la carte SIM de Maïva. Je préférais la carte de l'année dernière, il y avait un éléphant dessus. Et elle préférait la carte de l'année dernière parce qu'il y avait quoi? Un éléphant. Voilà. On est toujours au MBK, on vient d'aller chez le tatoueur pour voir si je peux retoucher du coup le tatou. A priori, j'aurai rendez-vous samedi 7 avril. Donc avant de partir, comme ça je peux profiter de la piscine. Là on va aller un peu au marché, derrière le MBK. Et après on revient à l'appart, je pense qu'on va passer au 7-Eleven acheter quelques trucs. Je sais pas quelle heure il est. Et il est 3h. Et après on va essayer d'aller à la piscine. Et se reposer un peu. Et ce soir, a priori, on devrait aller sur un skybar. Comme il ferme tôt, faudrait peut-être quand même y aller tôt. Ce serait bien de faire la Golden Hour là-bas. Donc faut qu'on se manie un peu, parce que la Golden Hour elle est à 17h. Ce serait bien qu'on y soit à 17h, qu'on traîne un peu là-bas et puis après. Et voilà le fameux MBK Center vu de devant. Voilà, et on se fait casser les couilles par des mecs qui veulent qu'on prenne un putain de tuk-tuk de merde. Voilà le réseau câblé de Bangkok. Je pense le réseau câblé le plus pourri du monde. Et comme je disais hier, si... apparemment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne peut-être, mais si t'es en panne. Le temps que le mec électricien trouve le fameux câble, mais tu vas te faire foutre concrètement. Du MBK et c'est totalement un décor différent. On est dans un genre de galerie Lafayette, mais ça a l'air encore plus cher. En effet, elle a dit qu'il y avait des sacs à dos, ils sont à moins 20%. Ça doit faire à peu près 70 euros le sac à dos. Putain, il y a Vans, putain. Le monsieur derrière moi il fume et il fume dans une poche Zara. Il n'a pas de respect en fait. Yes.
Bon, changement de programme, au final, on va pas à la piscine. Parce que mademoiselle veut absolument faire du shopping. Hein, donc ça va être journée shopping. On était au MBK, on était au Siam Privat et maintenant on va au Siam Center. Voilà, ça c'est le métro. Pas le métro, le Skytrain de Siam. Donc ici, tu payes là comme ça. Donc tu payes comme tu veux. Il te donne un jeton et à la fin, ben, tu le rends. C'est comme. Je pense que. Un truc de caddie, ça pourrait marcher. Zara, regarde le mec, il a le même uniforme que moi. Ça fait bizarre. Et est-ce que je vois les mêmes choses? Les lins, oui. Et on va voir le prix. Ceux-là, ils sont à 9 euros en France. Ils sont à 790 bahts ici. Ouais. Mais en fait, c'est au taquet cher. Ça, c'est le cinéma du Siam Paragon. C'est une grosse folie. Ouais, c'est le Siam Park. Un petit café, putain, c'est hyper beau. C'est un joli parc. Pas trop de bruit, donc je parle doucement. Les gens, ils ont pas l'air là pour faire la teuf. En tout cas. On entend que les oiseaux. C'est super beau. C'est marrant de voir des parcs comme ça. Au milieu d'endroits où il y a plein de monde. Ouais, c'est trop bizarre. Donc elle a regardé sur la localisation Snapchat, et c'est l'université de Chulalongkorn. Dégonfle déjà. Les cigarettes. Oh, j'ai pris 3 bières aussi parce que ici on a le droit d'acheter de l'alcool de 11h du matin à 14h et de 17h à minuit. Et après tu peux plus en acheter. Et voilà, du coup on est à la piscine. Ça c'est la résidence. Et je sais pas si elle est profonde. Du coup on a une petite vue sur la ville. Il pleut ? Bon, on ira vers 9h, il fera bon. Salut! Ah merde, bon, demain il fait pas super beau. Du coup, Golden Hour. Alors, on est dans la piscine. On est sur la route pour aller acheter à manger au Value, Max Value, le truc ouvert 24h sur 24. On va prendre des petits plats déjà faits, 35 bahts juste à réchauffer au micro-ondes. Pour aller ensuite manger à l'appartement et ensuite on va sur un rooftop qui s'appelle le Nest et on va passer la soirée là-bas. Le rooftop ferme à 2h donc ça nous permet de pas rentrer trop tard. Donc voilà, moi je mange du riz avec du poulet à demi frit qui est trop chaud parce que le micro-ondes c'est une tuerie, avec une petite bière. Et tu manges du riz avec de la sauce pour pâtes. On voit rien, du coup on a réservé un grab pour aller au Nest, le rooftop où on va ce soir. Et j'ai essayé de finir d'upload la vidéo de Abu Dhabi à Bangkok, enfin la vidéo qui était censée être postée hier soir, et j'arrive toujours pas. Dans le taxi et on va au Phoenix, au Nest. Phoenix, Nest, Phoenix, Nest. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, ça fait plaisir. Je sais que tu n'y vois rien et c'est pas voulu. Bon, mais changement de programme, du coup, le Nest c'est juste ici. C'est un bâtiment à peu près 6 étages. Tellement je pense que mon balcon il est bien plus haut, donc ça fait pas trop rooftop. Donc nous on va ici. Tu vois là-haut, là où il y a le truc violet. Et bien on va là-haut. J'y étais allé l'an dernier, ça s'appelle le Bob Eleven. C'est un peu cher mais ça passe. Il y a une bonne vue, ça ferme à 2h. Sortie d'ascenseur. Je comprends pas pourquoi la luminosité elle est basse. Comme ça. Ici les toilettes du Above 11. Là tu pisses, mais tu pisses pas n'importe où. Tu pisses sur le toit du monde, frère. Au 32e étage. Bon, le bar est au taquet stylé. On a demandé une place. Ils nous ont passé une place à côté de.
de la fenêtre et au taquet devant parce qu'il y a un putain de ventilateur et tu vois comment la flamme elle va péter un plomb. Je pense qu'elle va bientôt s'éteindre d'ailleurs. Et du coup j'ai demandé à la dame si c'était possible de changer de place. Vu le prix qu'on paye, je pense que ça de tout est possible. Voilà. Voilà mon ami, c'est la fin du vlog. Je te quitte ici, on va acheter à manger, on va rentrer, je vais finir le montage, je vais essayer de poster l'autre vidéo d'hier. Et il n'y a pas des plaques qui sont bonnes. Et je te dis au prochain vlog. Ciao.